Bon. Là, sur cette photo-là, c'est un frêne, en fait, qui avait perdu la tête. La tête est là. Et le pied là-bas. Il a perdu la tête. Je ne sais pas si c'est volontaire suite à un coup de tronçonneuse ou si c'est un arrachement lié à une tempête. Mais il a perdu la tête il y a quelques dizaines d'années. Et là, on s'aperçoit qu'on a la forme de l'arbre tel qu'il était au moment où il a été coupé, approximativement. Donc, toutes les parties que vous voyez qui sont sombres, là, ce sont des parties qui ont été abandonnées par l'arbre et laissées en pâture aux champignons lignivores. Je ne sais même pas ce qu'il est devenu, puisqu'il n'y en a quasiment plus, ça devient complètement creux, probablement auto-digéré par le végétal. Il s'est auto-alimenté avec cet humus. Il y a ça dans énormément d'arbres et ça les empêche pas de fonctionner. Vous voyez que au-delà de ça, toute la partie qui est claire là, c'est la partie de bois qui est encore efficient. Et donc là, si on regardait ici, on s'apercevrait qu'on a une paroi de protection fabriquée par l'écorce, fabriquée par le cambium au moment où on a fait la plaie. Alors c'est pas au moment où on a fait la plaie où flac, tout d'un coup ça se ferme, c'est pas une guillotine, c'est par oxydation que ça se produit. D'accord? Et donc comme il y a des contacts entre les vaisseaux, c'est des oxydations successives qui fait que cette paroi-là se met en place globalement sur l'ensemble de l'arbre en quelques années. Par contre, la circulation de sève se retrouve et la connexion à l'intérieur de la plante se retrouve complètement obturée. Donc probablement que non, les plantes ne sont pas capables d'utiliser le bois de cœur comme énergie. Alors après, on voit des choses comme ça là, vous voyez. Mais ça, on voit que c'est plus étroit là. Mais là, il y a une branche et probablement que la branche elle a été coupée plus tard. Donc en fait, c'est un livre ouvert, mais il faut apprendre à lire, c'est pas simple, toujours. Hein. Alors là, ça c'est assez incroyable. Ça permet de comprendre que... Est-ce que vous voyez ces espèces de pics moyenâgeux là, qu'il y a à l'intérieur? Ça, c'est un sapin qui a été étêté il y a une trentaine d'années. Ce sapin a été étêté, je peux peut-être rapidement vous le dessiner. Ça va là, je peux effacer là le schéma. Hein, vous l'avez à peu près, c'est peut-être un peu mieux fait même sur le schéma, mais je ne sais pas si vous avez griffonné dessus. C'est le schéma rouge là, bleu et jaune là. Bon. Après par contre, je n'ai pas marqué, là je vous ai laissé marquer un peu des choses, mais... Ce fonctionnement de compartimentation là, c'est quand même assez incroyable parce que la publication d'Alex Chaigo, je crois qu'elle date de 1982. Il appelle ça une hypothèse plus qu'autre chose, puisque de toute façon on est dans l'observation du vivant à l'extérieur du laboratoire, donc on ne peut pas appeler ça autrement qu'une hypothèse. Et c'est difficilement reproductible partout. Mais en fait, il a découpé des milliers d'arbres, bon, il a quand même fait une publication. Mais c'est à la base ces réflexions-là, c'est à la base de ce que l'on va appeler modernement la taille douce en fait. C'est ça qui a déclenché cette recherche de taille douce. Et alors c'est des informations qui sont arrivées fin des années 80 en France et qui ont été mis en évidence en France par justement cet anglais qui s'appelle William Moore et qui l'a diffusé de manière très importante, et aussi un peu les INRA, mais les INRA c'est pas leur vocation première d'aller parler aux professionnels, de leur dire hey, on a une information super à vous transmettre. Ils font pas trop ça en fait, eux ils travaillent, ils font de l'information, et malgré tout ça devrait être leur boulot, mais c'est quand même un peu compliqué, il y a un manque de connexion souvent entre le milieu professionnel et ce qui se passe dans la recherche. Et donc cette recherche fondamentale là, issue des années 80, elle arrive en France dans les années 90, et c'est uniquement dans le milieu des grimpeurs et lagueurs qu'elle est utilisée, pour vous dire qu'il y a de ça 10 ans, les vignerons n'étaient même pas au courant de ce fonctionnement-là. Et donc les vignerons étaient incapables d'interpréter le fait que la plupart des maladies qu'ils ont, de problèmes de maladies de bois, est uniquement liée à leur manière de tailler et de mutiler la plante, plutôt qu'à des problèmes de champignons. On verra que les champignons de bois, d'ailleurs, c'est assez difficile de les interpréter comme des agresseurs de la plante, en fait. C'est pas des agresseurs de la plante, c'est pas leur boulot, les champignons de bois. On pourra détailler les champignons, il y a différents types de champignons. Hein. Champignons
ça profite des composeurs du bois mort, les champignons mycorhiziens, et puis il y a les champignons phytophages, donc ils mangent les parties vivantes, et puis il y a les champignons qui font un petit peu les deux, mais malgré tout, la plupart des champignons responsables des dégradations, comme cette dégradation-là, c'est pas un mal, c'est un bien en fait. La place qu'il a là, c'est la gradation des sols. La place des champignons, c'est la gradation des sols. Et il y a des fois, on a une manière obtuse de voir les choses en se disant, bah, le champignon, il dégrade ma plante, il est méchant, je vais le traiter, alors qu'en fait, il est dans un cycle biologique vertueux. Vous voyez, on retourne à la première diapo. Et vraiment, la place des champignons, même des champignons phytophages comme justement l'oïdium là, ou le mildiou, qui nous embêtent tant, ce sont des champignons qui sont des champignons, bon, et c'est sûr, importés de l'extérieur, nos plantes, elles comprennent rien, elles se font manger par le mildiou parce qu'elles n'ont pas coévolué avec. Mais ce sont des champignons qui sont des champignons de régulation de population. Plantation monospécifique, trop d'une espèce, ce genre de champignons-là arrive pour réguler le nombre d'espèces et faire en sorte qu'il n'y ait que quelques individus les plus solides qui continuent à évoluer avec ce champignon-là. Donc ça, c'est quelque chose qu'on pourrait très bien faire et qui est un peu fait justement par les organismes de recherche, mais on se demande comment, bah, notamment par rapport à la vigne, on pourrait arrêter de traiter la vigne si on avait eu comme objectif de faire évoluer les cépages dans cette direction-là. Donc ça a été un peu fait avec les hybrides et puis on a tout arrêté vite et puis reparti sur des plantes parce que soi-disant elles étaient... Enfin bon, c'est politique, hein, tout ça. C'est extrêmement politique. Mais en tout cas, on a le seul moyen de régler ces problèmes-là qui sont des problèmes plutôt de connexion à l'environnement de la plante et d'acceptation, c'est de faire coévoluer la plante avec son environnement. De la même manière que tout ce qui est plante invasive, la bonne manière de faire, c'est pas d'éradiquer les plantes invasives. On peut pas lutter contre une plante invasive. C'est complexe. Si on lutte contre une plante invasive, on l'empêche de se connecter à son environnement. Ça me fait vraiment penser c'est une espèce de racisme en fait. Parce que l'acacia, vous pensez qu'il est là depuis combien de temps ? 400 ans, en fait, l'acacia. Le châtaignier, moi, je fais partie d'un département, c'est l'emblème, c'est le châtaignier. 600 ans, le châtaignier. Tout ça, c'est des plantes qui sont venues de l'extérieur et qui... Enfin, je veux dire, si tu viens en Corrèze ou dans l'Ardèche, tu te dis que le châtaignier, c'est un peu invasif, quand même. Il y en a partout, quoi. Et ça se ressème, et ça drageonne, et ça repart. Et l'acacia, pareil. Et... Donc, en fait, c'est qu'une histoire de temps, tout ça. C'est qu'une histoire de temps et ça me fait penser aussi au frelon asiatique, qui fait chier le frelon asiatique. Mais il va bien falloir qu'il s'intègre parce qu'on n'arrivera pas à l'éradiquer. C'est trop tard, c'est pas possible. Même dès le départ, c'était perdu. Et donc pour l'intégrer, lui passer l'insecticide dans la gueule tout le temps, c'est peut-être pas la meilleure des solutions. Alors je dis pas qu'il faut pas le faire, mais il faut pas faire que ça, quoi. Là, cet arbre-là, c'est un arbre qui fait une trentaine de mètres de haut. Donc en fait, il a été... Quand il était jeune, enfin jeune, assez jeune, parce que c'est quand même gros en diamètre, il a été étêté. C'est-à-dire qu'on lui a coupé la tête, il avait des branches. Hein. Si on regarde l'arbre à l'époque, il était comme ça, on a coupé à ce niveau-là. Vous comprenez ? Simple. Les résineux sont atteints de quelque chose qu'on appelle le gigantisme. Donc en fait, eux, ils se sentent obligés de pousser en vertical et en hauteur. Donc là, hormonalement, ce qui se passe, c'est que toutes les branches latérales vont se retrouver à se redresser et à se remettre en vertical. Donc toutes les branches latérales, vous voyez le résineux, ça fonctionne par verticille, hein, c'est des étages de branches, c'est pour ça que c'est facile à grimper. On a des étages de branches successifs, qu'on appelle des verticilles. Et donc cette partie-là a été coupée, les branches se sont redressées, et là de nouveau on se retrouve avec non plus un résineux, mais 5 ou 6 résineux qui poussent sur le tronc, d'accord ? Qui se sont redressés. Et à cet endroit-là, ça a été coupé, et donc l'arbre, comme ça a été coupé, il s'est retrouvé obligé de compartimenter et de faire en sorte de ne plus se préoccuper que du bois qu'il a fabriqué après. Et donc on s'est retrouvé avec l'ensemble du tronc présent à l'époque complètement disparu, tel que l'on voit ici. Ce creux-là, c'est la forme qu'avait l'arbre à l'époque où il a été coupé. Et à l'intérieur, on a quand même ces espèces de pics-là. Qu'est-ce que c'est que ces pics ? Ces pics, c'est l'insertion des branches des mares qui se sont redressées. Dommage que je n'ai pas une vue un peu plus large, mais là, vous voyez la branche qui part là ? En fait, cette branche-là, c'est probablement ce pic-là. D'accord ? Cette branche-là, je ne sais pas, je ne vois pas, mais... en fait, à chaque pic, il y avait une branche. Et donc, en fait, ça permet de comprendre comment ça se positionne. C'est-à-dire que si vous avez une pousse de 1 an et vous avez une branche latérale qui part, après, ça grossit en diamètre,
Hop, et là vous coupez là. Donc tout ça, ça va pourrir et il va rester que le cône ici. Donc en fait, on va se retrouver avec du vide et on a une vue sur le cône. Et en fait, c'est pointu. Ben non, ça fait peur. Hein. Moi, j'avoue, un truc, c'est que quand je suis arrivé, donc tu passes, tu t'attends à ce que ce soit un peu creux, tu passes la tête et là, j'ai fait... J'ai eu super peur. J'ai eu super peur, non seulement parce que j'avais ce truc-là de pic. Non, parce que tu n'arriverais pas à tomber quand même là. Mais c'est plus petit que taille réelle. Hein. Taille réelle, c'était comme ça. Et donc, en plus au fond, quand on regarde au fond, c'est dommage, j'ai une autre photo où on voit le fond et il y a de l'eau dedans. Donc c'est comme un puits. Donc alors tu vois ça, tac tac, et puis après tu regardes le fond et il y a de l'eau. Mais ce qui fait super peur, c'est pas ça. Ce qui fait super peur, c'est que tu te dis que des branches là, qui font comme ça, qui font 15 mètres de haut et qu'il y en a 5 autour, et qu'il y a un porte-à-faux avec un levier. Et tu te dis que mécaniquement, ce truc-là, c'est une hérésie, c'est pas possible. Alors, paramètre supplémentaire, l'arbre vit à Vic-sur-Serre, dans le Cantal, au-dessus d'Aurillac. Donc, c'est-à-dire qu'il prend 50 cm de neige minimum tous les ans. Donc, 50 cm de neige là-dessus, mécaniquement, en fait, c'est déraisonnable. C'est déraisonnable. Mais, bon, encore en plat, il est encore vivant. Donc là, ce qui est intéressant, c'est de voir que donc tout l'arbre a disparu et qu'on s'est retrouvé avec des vous voyez les branches. Donc ça veut dire qu'il y a bien une compartimentation, une différence entre les bois des branches, le bois des branches et le bois du tronc, d'accord ? C'est en train de se décomposer. C'est-à-dire que là, ce qui se décompose, on voit que ici c'est parfaitement lisse. Tu vois ça ? L'intérieur là. Donc là, tu peux être sûr que à cet endroit-là, tu as l'écorce chimique qu'a fabriqué l'arbre au moment où il s'est fait têter. Mais on s'aperçoit qu'il a quand même une fois perdu la course. Pourquoi je le montre ici? Parce qu'en fait, l'écorce chimique là, qui est ici, on s'aperçoit que toute cette partie-là, elle est morte là. Et on voit qu'il y a un retrait ici, vous voyez? Ce retrait là, on s'aperçoit qu'ici, c'est mort. Là, on a un retrait, ok? Et donc, ce qui se passe, c'est que probablement qu'il y a eu une deuxième blessure ou que le champignon a réussi à percer une première fois la paroi. Et qu'après avoir percé la paroi, et bien de nouveau, on a un nouveau bourrelet qui se crée. Regardez ici, ça c'est vivant, ça c'est vivant, ça c'est vivant, ça c'est mort. Hein, d'accord ? Donc là c'est vivant, là c'est mort. Donc en fait, ça veut dire que le champignon a gagné la course une fois. D'accord ? Donc jusqu'à la base, l'arbre peut devenir complètement creux, mais attention, ici il y a quand même 10 cm de paroi résiduelle. Hein ? Donc l'arbre, si je le dessine de dessus, il a cette forme-là, il y a tout ça de vivant. Y compris connecté aux racines. Hein, si je regarde comme ça, les racines, là il y a un tronc qui va être creux comme ça, mais là j'ai toutes mes racines qui sont dynamiques encore. D'accord ? Ça va être juste creux jusqu'au sol. Je vais pas raconter ma petite anecdote. Une fois... Non, c'est pas celui-là. Je peux pas descendre. Là. Une fois, je me retrouve à devoir tailler un tilleul et m'occuper d'un tilleul de 400 ans dans un village dans le Lot, un vieux tilleul. Je grimpe dans ce tilleul et il doit faire 400 ans, vous imaginez, donc il fait pas loin de 2 mètres de diamètre et puis relativement immense, mais je vois qu'il a été mutilé cet arbre-là il y a très longtemps sans doute, hein, il y a peut-être 50, 100 ans. Il a été mutilé et donc il a refabriqué un houppier, il est immense, il est magnifique. Et là, je grimpe dans l'arbre et je m'aperçois que le tronc, il est creux jusqu'en bas. C'est-à-dire que je monte dans l'arbre et puis là, je vois un espèce de gouffre. Bah, imaginez, un gouffre qui fait ça de diamètre, quoi, puisque l'arbre fait 2 mètres. Et donc creux. Et donc, bon, bah, je fais mon travail dans l'arbre, j'aubane l'arbre pour faire en sorte que les branches tombent pas. C'est en plein milieu d'un village, donc je soigne de tout ça. En bas, il y a des copains qui font des carottages et qui mettent du lombricompost pour essayer d'alimenter l'arbre. On injecte des mycorhizes, on fait tout un bazar pour essayer de faire en sorte que l'arbre soit le plus sain possible, le plus longtemps possible. Et on finit par se dire, bon, bah là, faut qu'on y descende, quoi, dans le trou. Et donc, on est descendu à deux. Côte à côte, dans le tronc. Le tronc 15 mètres, et t'étais à 15 mètres. Et donc, descendre dans le tronc à 15 mètres, le tronc à la base fait 2 mètres de diamètre, et on descend jusqu'au niveau du sol. Et donc, on est dans une espèce de tube de 15 mètres. Et à l'intérieur même, on voit que l'écorce s'est reformée. C'est-à-dire que là, c'est comme si j'avais de l'écorce qui s'était reformée. Ce qui s'est passé, c'est un peu comme ce qui s'est passé sur le platane à l'intérieur, ici, là. C'est qu'il a commencé à fabriquer... Imaginez le volume de terreau qu'il peut y avoir à l'intérieur, enfin d'humus. Et donc il a commencé à refabriquer quelques radicelles, et puis ces radicelles ont grossi en diamètre, 400 ans il y a le temps, et donc elles ont reformé à l'intérieur un cambium.
premier arbre que je connais avec un cambium à l'extérieur et une partie de cambium à l'extérieur, à l'intérieur. Donc j'avais des plaques comme ça, des plaques de cambium à l'intérieur. Et donc on descend là-dedans et on trouve ces plaques de cambium. Et donc on se retrouve à l'intérieur de l'arbre, entouré, pour la première fois de notre vie, complètement entouré par quelque chose de vivant. C'est délire. Hein. Et donc la sensation, elle est incroyable, incroyable. Et puis on est descendu, alors c'est incroyable parce que, d'autant plus que les racines aussi étaient mortes à l'époque et c'était creusé. Donc pff, on se baisse comme ça, puis une mauvaise odeur. Et puis on se baisse, puis on éclaire avec notre téléphone, on regarde au fond. Et là, il y avait trois petites chouettes qui nous regardent et qui ont ouin, comme ça. Il y avait trois petits chouetteaux grands comme ça, au fond de l'arbre, 15 mètres dessous. Ouais. Délire. Bien présent. Il y a quelques vieux arbres magiques comme ça. Hein. En France, on en a moins, je sais pas, les Anglais par exemple, en Angleterre, c'est assez étonnant d'aller se balader en Angleterre puisqu'on s'aperçoit qu'ils ont conservé leurs vieux arbres. Ici, en fait, normalement, on devrait en avoir partout, là, dans les champs, là, mais avec le remembrement, on a tout jarté. Le remembrement et la Révolution française, en fait, parce que tous nos vieux arbres qui étaient portés comme symbole de liberté ont été coupés pour couper cette idée de symbole de liberté. Donc, on s'est retrouvé à perdre énormément de notre patrimoine à la Révolution et au remembrement. Et puis ça continue, puisque en fait, chaque arbre, enfin, avec cette idée satellitaire de surface, là, on en a perdu énormément. Et puis après, tous ceux qui meurent sont jamais remplacés. Donc on perd progressivement du terrain sur les vieux arbres, qui ont un rôle sans doute beaucoup plus important qu'on voudrait bien le croire. Plus que localement, un rôle sur génétique et même au-delà. Mais est-ce que c'est... Enfin, je suis pas en train de dire que c'est mal. Je suis en train de dire que ça fait ça, ça c'est la réaction que ça donne. Je me garderais bien de dire bien ou mal en parlant des plantes et de l'action qu'on peut avoir sur les plantes et le fait qu'elles pourrissent ou qu'elles pourrissent pas. Puisqu'en fait, finalement, quand une plante meurt, elle aggrade le sol. Donc en fait, on est dans un cycle vertueux. Nous, humains, qui vivons un peu court, tout ce qui meurt, ça nous renvoie à notre propre mort et ça nous fait paniquer. Mais ce n'est qu'un cycle, je crois, notre propre mort fait qu'on peut peut-être davantage se préoccuper des individus et prendre conscience du vivant. Mais malgré tout, pour la nature, c'est un autre souci, c'est un passage vers de la diversité. Le fonctionnement est un peu comme ça, c'est-à-dire que la nature elle va un peu toujours vers la diversité. Il y a un champignon comme ça qui est assez extraordinaire, qui s'appelle l'armillaire couleur de miel. L'armillaire couleur de miel, c'est l'organe le plus gros et le plus lourd sur la planète, vivant. Un champignon. En Australie, je crois que c'est 9000 hectares, un champignon, et il a été trouvé sur une surface de 9000 hectares. Un champignon. Eh parce qu'en fait, ces champignons, ils sont là depuis la nuit des temps. Hein. Et puis, ils continuent à se déplacer, à évoluer et à coloniser l'espace. Et donc, ce champignon qui est de la famille des agarics, c'est un champignon qui est quasiment intelligent. Quoi. C'est assez incroyable. Il a une faculté d'adaptation qui est très grande. Et il arrive à s'adapter à son environnement. C'est-à-dire que c'est un des rares champignons qui est capable de manger et du vivant et de décomposer du bois mort. Il y en a peu, quand même. Les agarics, dans les agarics, il y en a pas mal. C'est un peu leur famille. Et cet armillaire couleur de miel, il est communément appelé le pourridier chez les arbaux ou chez les vignerons. Et ce pourridier-là, il a un comportement un peu particulier. Lui ne supporte pas la concurrence. S'il y a d'autres champignons qui s'expriment, il se met en retrait. Dans le parc bordelais, début des années 2000, imaginez le parc bordelais, c'est un parc les arbres sont plantés sur du sable, c'est très sableux, et donc du coup le sol il a aucune capacité à retenir beaucoup d'éléments minéraux. Et il y a beaucoup de gens qui viennent dans ce parc bordelais pour se détendre et se délasser, et là il y a un charme magnifique, un grand charme, et il est nettoyé très régulièrement au sol. Ils tondent, ils évacuent la pelouse. Ils ramassent les feuilles, ils ratissent pour qu'on puisse être tranquille l'automne dessous. Donc il faut absolument qu'il y ait de l'herbe, que ce soit nickel. Donc on exporte la matière. Et donc comme l'arbre est autotrophe, et ben, au bout d'un moment, il se retrouve avec plus rien à manger. Surtout que c'est assez rapide, vu que
En plus de ça, le sol sableux fait qu'on a, on a une évacuation assez rapide de la matière. Heureusement que le feuillage souterrain, qu'on va appeler système radiculaire, continue à alimenter un peu le sol en matière organique à décomposer. Hein, on peut vraiment interpréter les systèmes radiculaires comme un feuillage souterrain qui en renouvellement à peu près tous les 6 mois et qui a un haut potentiel d'aggradation et d'humification dans les sols. Donc la personne qui s'occupe du parc comprend ce qui se passe et donc décide d'intervenir. L'arbre fait une descente de cime, c'est-à-dire fait mourir beaucoup de branches et on se retrouve avec des fructifications d'armillaires sur plein de racines. C'est un champignon qui est dans le sol, hein, l'armillaire. Donc on se retrouve avec des fructifications partout. Donc il comprend le problème et il sait que ce champignon-là ne supporte pas la concurrence puisqu'en fait ce mec-là est issu de l'ONF. Et donc connaît le comportement de ce champignon dans les forêts monospécifiques où justement la concurrence commence à être mise à rude épreuve. Il décide de balancer 5 cm de compost mûr et de mettre par-dessus 10 cm de bois broyé frais. En 2 ans, plus aucune fructification de champignons. Donc le champignon arrête de fructifier et l'arbre redevient vert, plus foncé, donc repart dans un cycle un peu plus vertueux. Et vous verrez l'arbre maintenant, eh ben, on n'a pas vraiment la sensation que cet arbre-là a été attaqué à une époque. Pourtant, il a perdu des sacrément grosses branches. Donc ça se voit encore si on est observateur. Mais en fait, il a inversé le cycle. Et ce qui se passe, c'est que ce champignon-là, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh ben, lui, il arrive, il n'y a pas de concurrence puisqu'on a aseptisé le sol. On apporte de la concurrence, on apporte du compost. Donc quand on apporte du compost, on apporte des milliers de spores de champignons. On apporte de la matière à dégrader, de la lignine. Donc du coup, là, ces champignons se développent. Lui, il se retrouve avec une concurrence folle et il se dit bah, « j'ai plus besoin de bosser, moi. Je m'arrête, je reste en latence. » Parce qu'en fait, ce champignon, sa place dans la nature, c'est de se dire « moi, j'arrive, j'interviens pour faire mourir les plantes quand la diversité du sol n'est pas assez importante. » Donc si la diversité du sol n'est pas assez importante, ce champignon-là rentre en jeu. Comme il ne supporte pas la concurrence, il fait mourir, il est tout seul, il fait mourir l'arbre, donc il est capable de faire mourir l'arbre, il fait mourir l'arbre, le fait tomber au sol, le décompose, commence à le décomposer jusqu'à ce que d'autres champignons viennent prendre le relais et relancent un cycle vertueux au niveau de la gradation du sol. C'est intéressant parce que c'est là qu'on comprend un peu la place des champignons. Et ils ont tous une place un peu du genre. Celui-là, il est spécifique, un peu comme on pourrait imaginer une maladie nosocomiale dans un hôpital. Vous comprenez, la maladie nosocomiale, elle n'est pas chouette, mais en même temps, elle est la source du vivant dans un hôpital. C'est le début du « ça va mieux se passer » pour la nature dans un hôpital qui est aseptisé en permanence. Et donc, elle ne supporte pas la concurrence non plus, la maladie nosocomiale. C'est intéressant dans cet axe-là. Donc, autant dire que là, on ne peut pas stériliser la nature, et ça ne sert à rien, notamment dans les vignobles, d'arracher tout, d'arracher la moindre radicelle, puisqu'en fait, est-ce que vous pensez qu'il n'y ait plus dans le parc bordelais ce champignon ? Ben si, il est juste là, il y a des spores partout, et il attend de plus avoir de concurrence. En quelque part, c'est ça qui se passe. Donc, c'est très codé, ça, chez les champignons, et chaque champignon a vraiment une place particulière dans la dégradation des matières. Il y a des champignons qui vont dégrader la matière en hauteur, la branche tombe au sol, ce champignon-là s'arrête, c'est un autre qui prend le relais, jusqu'à décomposer toute la lignine, ça s'arrête, un autre champignon arrive, il décompose la cellulose, et ainsi de suite. Et alors, il y a des champignons qui sont capables plus ou moins de décomposer plus de lignine, plus de cellulose.